Le sauvage du Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver encore ce matin, surtout pouvoir réellement être dans la présence du Seigneur au travers de changer les cantiques, les psaumes qui nous ont été lus et aussi l'exhortation qui nous a été apportée. Nous remercions le Seigneur pour cet amour, pour cette grâce, effectivement, de ce que jusqu'à ce jour, notre Seigneur et notre Dieu nous parle et il nous éclaire de plus en plus pour que nous puissions avoir cette assurance d'avancer et de marcher avec lui. Si nous marchons avec notre Seigneur, alors nous sommes sûrs et certains que nous arriverons au bon port. Nous avons notre frère Roy et notre sœur aussi, Sonia, dans la famille et leurs enfants aussi, qui sont éprouvés. Notre frère a perdu son père là-bas au Pérou, en Amazonie. Et c'est un moment qui était aussi difficile pour lui. Et je crois qu'il a besoin aussi de vous aussi, de vos prières, pour que le Seigneur, notre Dieu, puisse aussi consoler sa famille aussi qui est là-bas. Et comme il est loin aussi, et que cela s'est passé aussi, de loin aussi, vous comprenez aussi la tristesse qu'il a dans son cœur. Mais nous prions que le Seigneur, notre Dieu, lui apporte réellement la consolation. Amen. Il est notre consolation. Nous passons par des épreuves et par des moments tellement difficiles, mais nous le remercions pour toutes choses. Amen. Nous sommes heureux de pouvoir réellement réaliser que notre Dieu est toujours présent et toujours vivant pour que quand même nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, il nous soutient, Amen. Il nous garde comme notre précieux frère l'a dit encore tout à l'heure. C'est lui qui garde Israël, ne sommeille ni ne dort. Amen. Notre Dieu, il veille sur nous et il nous protège sur le chemin. Nous devons réaliser que nous sommes réellement des pèlerins et des voyageurs. Amen. Nous sommes de ceux-là qui, tout en avançant, en marchant, et puis un jour va arriver où nous partirons. Nous devons être conscients de cela pour que nos cœurs soient toujours aussi préparés. Amen. Quand quelque chose arrive qui n'est pas droit, directement, mets-toi à genoux. Amen. Demande pardon. Réponds-toi parce que ton désir, c'est de rester toujours constamment en communion avec lui. Amen. Nous voulons vraiment être comme cela, comme les saintes écritures qui ont toujours montré la voie juste que le peuple de Dieu doit suivre pour arriver à pouvoir atteindre l'objectif pour lequel le Seigneur, notre Dieu, les a appelés. Quand on parle de Noé, la Bible dit qu'en son temps, Noé marchait avec Dieu. Et c'est cela que nous devons aussi réaliser, que ce que Dieu attend de nous, ce que aussi dans notre temps, nous puissions marcher aussi avec lui. Comme mon précieux frère l'a dit encore tout à l'heure, il faut que chacun de nous puisse avoir cette expérience avec le Seigneur, notre Dieu. Et que chacun de nous soit vraiment conscient que c'est le Seigneur qui le conduit aussi. Il faut que chacun de nous puisse réellement arriver à pouvoir avoir cette ferme assurance dans son âme en s'appuyant sur le Seigneur, en ayant confiance sur le Seigneur et en croyant réellement que le Seigneur est capable de pouvoir réellement l'aider à sortir de toutes les situations difficiles soient-elles, parce qu'il est vraiment le Dieu fidèle. Amen. Lorsque nous nous confions en lui, nous devons réellement avoir cette assurance que réellement que lui, il nous connaît et il connaît aussi Amen. Nos besoins. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit que pas de soupir inexprimable, l'Esprit du Seigneur réellement manifeste les désirs que nous avons à la face du Seigneur, que nous avons vraiment pas exprimé, mais que le Saint-Esprit qui sonde les reins et les cœurs réellement manifeste cela. Nous pouvons voir la bonté de ce Dieu et l'amour. Lorsque nous nous rassemblons, que ce soit le mardi ou le dimanche ou le jeudi, nous devons être conscients d'une chose, c'est que nous nous rassemblons pour pouvoir écouter ce que le Seigneur veut que nous puissions recevoir, afin de pouvoir nous aider à aller de l'avant. Et chacun de nous doit être conscient que lorsque je me tiens dans la maison du Seigneur, je ne regarde ni à gauche ni à droite, mais je regarde au Seigneur. Je voudrais que le Seigneur, notre Dieu, m'accorde la grâce Amen. De pouvoir marcher avec lui. Amen. Et surtout qu'il m'ouvre les oreilles Amen. Pour que je puisse entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Et si la parole de Dieu dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Et comme nous savons que nous sommes effectivement dans l'âge de la Odyssée, le dernier âge, c'est l'âge où l'Esprit du Seigneur parle et aussi manifeste avec puissance que
Ce n'est pas la parole d'un homme pour ce temps, mais c'est la parole de Dieu lui-même que le peuple de Dieu doit recevoir et que le Seigneur lui-même donc continue à donner réellement à son peuple, afin que ce peuple puisse être instruit. L'Écriture dit, mon peuple à moi ne sera plus jamais dans la confusion. Et si cela est écrit ainsi, c'est impossible que ce peuple soit dans la confusion. Parce que l'Écriture doit s'accomplir. Et celui qui est de Dieu. Vous souvenez, je pense que c'est être effectivement le roi, je pense dans le livre de Néhémie ou Esdras, effectivement. Et c'est ce roi, j'ai oublié son nom. Et alors, il avait et dans son cœur, effectivement, et c'est le Seigneur lui-même qui lui avait mis dans son cœur de pouvoir bâtir effectivement. Mais je pense que c'est jusque dans les Esdras. Regardons un peu cela, peut-être Néhémie ou Esdras. Je suppose que nous avons probablement eu l'occasion de pouvoir le lire une fois ici, mais cela date quand même d'un moment. C'était, oui, c'est Cyrus. C'est Esdras au chapitre 1, 10 ici. C'est à la page 357. C'est après deux chroniques, si vous voulez. Ouvrir effectivement Esdras. C'est après deux chroniques, parce que les chroniques se terminent par chapitre 36. Deux chroniques, donc vous avez maintenant Esdras. C'est chapitre 1, verset 1, il dit, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. C'est merveilleux cela, de pouvoir entendre qu'enfin que s'accomplit la parole que l'Éternel avait prononcée par la bouche de Jérémie. Ce que nous avons toujours cette assurance, parce que nous devons avoir cette confiance, comme l'Écriture nous le montre effectivement, que si nous nous accrochons de tout notre cœur à la parole de Dieu, nous serons être sûrs et certains que le Seigneur, comme il accomplit cette parole, alors nous ferons partie aussi de l'accomplissement de la parole lorsque cela sera aussi manifesté. Donc, c'est notre foi qui doit s'accrocher réellement à ces choses, même si notre entendement, notre conception de l'homme n'arrive pas à pouvoir réellement saisir cela. Nous devons laisser l'entendement de l'homme humain de côté pour pouvoir simplement avoir confiance et croire que réellement que le Dieu qui prononce réellement sa parole, il a la puissance, la capacité nécessaire de pouvoir réellement l'accomplir. Souvenez-vous toujours de cette parole, frères et sœurs, même quand, à un certain moment, le doute peut passer que Dieu n'est pas capable, c'est pas possible, ce n'est pas Dieu, ne peut, et Dieu ne sait pas faire, ainsi de suite. Quand cela peut passer dans votre esprit, souvenez-vous que dans les Saintes Écritures, il avait été déclaré une parole parfaitement impossible. Alors là, c'était vraiment impossible. Même la conception de l'homme tel que nous sommes, même la conception des grands hommes, effectivement, impossible, une parole est impossible. C'était quoi? Et voici la Vierge concevra. Oui, mon frère et ma soeur, depuis que le ciel existe et que la terre existe, c'est absolument impossible. Impossible, vous pouvez faire tous les tests possibles, impossible. Une Vierge ne peut pas concevoir. Si elle a conçu, elle n'est plus Vierge. La vérité, non? Amen. Mais Dieu a dit, dans toute son autorité, amen. C'est mon autre Dieu. Amen. Et que vous le pensiez autrement, dit, mais moi j'ai dit. Amen. Contre toute pensée de nature, effectivement, parce que l'homme est habitué de voir, ça va comme ça, ça va comme ça. Oui, mais Dieu est Dieu, il change le cours de l'histoire. Amen. Il dit, et voici la Vierge concevra. C'est terminé. Lorsque le temps de Dieu est arrivé, il y avait bien une Vierge. Amen. Amen. Marie a vraiment conçu étant vierge. Chose impossible, chose qui ne voulait pas jamais, mais comme Dieu l'avait déclaré, la chose est réellement arrivée. Amen. Quelle est donc la chose qui soit impossible à l'Éternel? C'est vrai que sur la terre, on peut nous parler en disant qu'il y a des maladies incurables, certainement. C'est vrai, la médecine a raison quand elle dit cela. On fait tous les tests, effectivement, on trouve que c'est pas grave. Et vous savez que le cancer ne se guérit jamais. C'est vrai cela, non? Oui. Mais nous savons une chose que le Seigneur, notre Dieu, amen, guérit les cancers. Amen. En cet endroit, le Seigneur, tu as guéri les cancers. Amen. Je priais même pour les gens qui avaient une tumeur ici et qu'on voyait. Et dès que j'ai posé les mains, ça a disparu. Amen. Et qui est-ce qui peut faire ça? Ce n'est pas l'homme. Non.
Ce n'est pas toi. Ce n'est pas un grand prophète. Et c'est le Dieu le prophète. Amen. Quand tu dis, je suis l'Éternel qui guérit toutes les maladies. Amen. Oui, ce qu'il a dit, moi je le crois. Amen. Peu importe ce que mon voisin peut penser. Amen. Peu importe ce que ma voisine peut penser. Ce n'est pas mon problème. Amen. Si Dieu était incapable, il n'aurait jamais écrit. Amen. Et puisqu'il est capable, il a dit. Et c'est merveilleux cela. Je crois que nous l'avons entendu il y a des années de cela. Je pense que. Mais, quand Dieu dit je suis l'Éternel, je crois que c'est dans le psaume 103, je pense. Hein, on va peut-être le dire avec. Juste là, et je reviendrai juste ici là, dans l'écriture. Si ton psaume 103, sera avec vous. Verset 1 et 10. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Les aimons cela. Même si tu passes par des moments difficiles, des troubles, effectivement, souviens-toi de ce que c'est Dieu a fait pour toi. Amen. Dans tous les chemins que tu as eu à pouvoir passer, souviens-toi de la main de ces dieux. Et dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit quelques maladies. Non. Un tout petit peu de maladie. Amen. Qui guérit toutes tes maladies. Amen. Amen. Mais l'Esprit du Seigneur est toujours vrai. Amen. Et quand il dit toutes tes maladies, il n'y a aucune qui exclut. Amen. Même ce qu'on n'a pas encore découvert, qui peut arriver encore dans les temps à venir, le Seigneur les a déjà guéris. Pour toi, Amen. La Bible dit, par ce maître ici, nous avons reçu la guérison. Amen. Ainsi donc, notre foi dans la guérison divine doit toujours être aussi ferme. Et quand toi tu doutes, ce que ce n'est pas à toi. Mais quand tu es un fils de Dieu, ce que tu es appelé à pouvoir croire. Puis nous retournons ici dans les Esdras chapitre 1. Et il donc, il réveilla donc l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire les vives voix et par l'église de publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Ça, c'est un mot. Voyez-vous donc, cet homme, il pose la question, il dit, mais qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, il dit, mais qui d'entre vous est de son peuple? Qui est celui qui lui appartient vraiment? Parce que c'est lui qui appartient au Seigneur, et auquel réellement, sachant que Dieu est son Dieu, il est conscient des choses qui concernent Dieu. Et que son cœur et son âme se donnent effectivement avec beaucoup de bonheur en rapport à ce qui concerne les choses qui sont en rapport avec Dieu. Il veut faire quelque chose pour ses dieux. Parce qu'il sait que c'est son Dieu. Il ne se met pas à l'écart, effectivement, pour dire. Je vais voir ce que les autres vont faire, je verrai d'abord, je vais voir. C'est comme le frère ou la soeur qui vient dans l'assemblée, il se tient là, il dit, bon, je vais simplement observer. On chante, on loue, mais j'observe effectivement comment les choses vont aller, dans quel sens ça va aller effectivement. Ah, si quelque chose se passe pas, ah, qu'est-ce que je disais? J'étais pas, vous savez, j'étais là simplement pour observer. Mais si tu es ici pour observer, vaut mieux ne plus venir. Parce que tu perds ton temps. Aussi longtemps que tu ne prends pas part et que ton cœur n'est pas dans les choses de Dieu, Satan se plaît vraiment avec toi. Tu es vraiment son instrument. Vous savez ce qu'il va te montrer? Il va te montrer toutes les mauvaises choses. Ah, c'est sûr et certain. Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, tu vois là. Tu vas pendant plus là comme ça. Et c'est si. Alors, comme tu es maintenant, effectivement, la casserole dans laquelle il prépare toutes ces mixtures, alors qu'est-ce qui va se passer? Mais tu vas commencer à répandre, effectivement, aussi du mauvais esprit. C'est seulement ceux qui sont des dieux auxquels Dieu s'intéresse, en fait, dans ce qu'il doit faire de la manière dont tu veux. C'est pourquoi. Je prie que Dieu nous accorde la grâce que nous puissions avoir vraiment le temps aujourd'hui. C'est pourquoi, frères et sœurs, chaque frère et chaque sœur doit être conscient, effectivement, du positionnement dans lequel le Seigneur l'a réellement aussi placé. Et de savoir, effectivement, aussi à quoi elle s'est engagée, cette personne, c'est un frère ou une sœur, à quoi elle s'est engagée, effectivement, et qu'est-ce qu'il fait, effectivement, dans la place où il se trouve.
à quoi il sert. Je voudrais donc que nous puissions d'abord lire une écriture dans le livre, nous dirons, je crois, le livre de la Genèse, effectivement, que nous puissions cela dans le livre de la Genèse, je pense, au chapitre 15. Genèse 15, disons cela. Que le Seigneur te bénisse richement, mon précieux frère. Que fortifie mon frère, que remplisse encore davantage et qu'il conduise de plus en plus. Genèse au chapitre 15, nous disons ici, verset 12. Au coucher donc du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la saillie. Et l'Éternel dit à Abraham, il dit, sache que tes descendants seront donc étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras vraiment en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Et quand le soleil fut donc couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ces jours-là, l'Éternel, notre Dieu, fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Canoniens, des Éthiens, des Phénéciens, des Raphaïm, des Amoriens, des Cananéens, des Girgaziens, des Gébisiens. Amen. » Précieux Sauveur, nous voulons te dire encore merci ce matin pour ce temps et le moment que tu permets que nous puissions dans ta présence, mon Père, pour réellement entendre ta parole, pour te louer, pour te glorifier, mon Seigneur. Merci parce que tu nous instruis, mon bien-aimé Père Saint, pour que nous puissions vraiment marcher, apprendre vraiment à marcher avec toi, selon ta parole à toi, et agir selon ta volonté parfaite, Seigneur. Bénis encore cette parole, mon bien-aimé Père Saint. Accorde-moi la grâce, mon Père. Oh Dieu, combien j'ai besoin de toi encore ce matin, et ta grâce, ton soutien, mon bien-aimé Père, et ton secours, Père. Par cette parole à toi, mon bien-aimé Père Saint, il s'agit de ton peuple, Père. Accorde la grâce, je te laisse cette cour, mon bien-aimé Père. Je t'ai prié, mon Seigneur, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvez vos assurances. Nous remarquons, comme l'Écriture nous le montre, effectivement, merci beaucoup. C'est que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir, effectivement, montrer son amour et aussi son omniscience, c'est-à-dire le fait de pouvoir connaître toutes choses et qu'il est vraiment, qu'il démontre qu'il est vraiment Dieu. Il répète encore, il dit, avant moi, il n'a point jamais été formé des dieux. Et après moi, il n'aura jamais de dieux. Je suis l'Éternel, Amen. Je suis le seul, Amen. Et je suis l'unique. Amen. J'annonce même les choses qui ne sont même point. Des choses qui viennent s'accomplir, effectivement. Il dit, mais et c'est vrai cela. Et c'est Dieu qui démontre, effectivement, sa toute puissance, sa notoriété. Parmi tous ces gens qui vivaient, effectivement, Dieu regardait. Et c'est cela que nous devons vraiment être aussi conscients et heureux, frères, que nous ne sommes pas de ceux qui doivent marcher dans le ténèbre en tâtonnant, parce que nous avons la semence de notre Père en nous. Et si nous avons la nature de notre Père, effectivement, nous avons aussi le caractère de lui et nous agissons aussi comme lui agit. Tel il est, tel nous sommes appelés à être aussi. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. C'est important cela. Et quand Dieu a observé, regardez, il a pu voir parmi tous les hommes qui étaient là, qui passaient, il a vu un seul homme du nom d'Abraham. On pouvait se poser la question, mais pourquoi pas un autre? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi pas, je ne sais pas moi, d'autres, j'en sais rien d'autre. Et pourquoi Abraham? Parce que quand Dieu fait réellement son choix, il connaît la personne qu'il choisit. Amen. Lorsque le Seigneur vous a appelé, si réellement Dieu, notre Seigneur, vous a appelé, que notre frère l'a dit encore tout à l'heure. Et je le redis encore dans les Saintes Écritures, n'oubliez jamais cela, il a dit, mes brebis entendront ma voix. Amen. C'est-à-dire qu'elles doivent entendre l'appel. C'est-à-dire que le Seigneur te parle, toi, il t'appelle. Et quand il te parle, lorsqu'il t'appelle toi, tu sais que c'est toi auquel il parle.
et qui s'adresse à toi. Vous savez, juste que Dieu m'aide. Je ris parce que je ne sais pas, mais que Dieu a pas la grâce. J'ai été touché ce vendredi, je crois, dans mon bureau. Nous avons notre jeune homme ici qui s'appelle Isaac. Il est venu me voir dans mon bureau. Hein. Il cherchait depuis longtemps de pouvoir me voir parce qu'il voulait. Il disait, frère, je veux avoir beaucoup de temps avec toi. Il me faut beaucoup de temps parce que le mercredi, ça va être court. J'ai dit, tu dois vraiment avoir besoin des 5 heures peut-être. Je ne sais pas. Il dit, j'ai besoin d'avoir beaucoup de temps avec toi. Alors il a cherché, la fois passée, ce n'était pas possible. Et puis, ce vendredi, il est venu. Mais j'avais aussi du monde ici quand même qui attendait aussi. Alors ce frère, et, vous savez, j'ai remercié les seigneurs parce que c'est aussi important de pouvoir entendre et avoir le temps de pouvoir aussi avoir le moment avec le frère qui désire aussi cela. Et là, je remercie beaucoup le Seigneur. Alors, il me parle, il me dit, voilà frère, je voudrais donc simplement... Non, d'abord, il était venu, il avait un capitaine, nous parlions de, en général des choses qui concernent la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là que son cœur s'ouvre, effectivement. Il dit, mais frère, il dit, je voudrais quand même vous rendre aussi un témoignage en ce qui me concerne, moi, pour l'assemblée dans laquelle je me trouve. Ce n'était pas effectivement le but pour lequel il était venu, il avait des situations. Mais l'environnement dans lequel nous nous trouvons a eu à pouvoir le toucher dans son cœur pour qu'il rende ce témoignage. Il dit, depuis que j'étais en Afrique, on m'invitait de pouvoir aller dans l'église. Mais bon, je sais, bref. Il dit, mais bon, vous savez, j'écoutais, puis bon, je faisais. Puis bon, quand ma maman, c'est notre sœur ici, Rose, hein, la maman de notre frère Isaac, et Dieu la bénisse. Elle se lève le matin et dit à son fils, là-bas en Hollande, que Dieu bénisse ma soeur et mon frère. Amen. Là-bas en Hollande, effectivement, dit, lève-toi, on va l'écouter la parole de Dieu. Le fils dit, oh là là, mais moi, aller encore là-bas. C'est tout. Bon, il dit, bon, pour faire plaisir à maman, je suis donc, bon, je viens quand même à l'église. Il dit, j'arrive. Alors, je m'assieds là, et puis bon, j'écoute, et puis bon, je rentre aussi à la maison, et puis je reviens encore un autre jour. Mais quand je suis rentré d'abord chez moi à la maison, j'avais des questions qui me revenaient à l'esprit concernant la chose de Dieu, la parole de Dieu, et je ne m'étais pas écrit. Bon, quand je vais arriver à Bruxelles, je vais voir Frère Léonard après la réunion, je vais lui poser les questions. J'avais ma liste, effectivement, j'ai mis ça, j'ai écrit. Il dit, après la réunion, je veux le voir, je lui pose la question. Alors il s'assied, il rentre là, il s'assied. Et puis moi, je viens, je prends la parole de Dieu comme voilà. Et puis je commence à pouvoir prêcher la parole. Il dit, frère, quand tu as commencé ton livre, effectivement, et quand tu as commencé à pouvoir prêcher, j'avais mes questions, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Chaque question! Tu donnais la réponse. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Je dis non, c'est pas possible. Il dit, alors il y a un petit problème. Il dit, je rentre chez moi à la maison. Je refais encore une autre liste. Avec les questions. Il dit, ce jour-là, j'ai dit à ma maman, j'ai dit, maman, on va arriver. J'ai quand même des questions à poser à Frère Léonard après la réunion. Je les ai écrites. Et puis je viens encore ce dimanche-là. Avec ma liste, les questions. Tu passes du haut de la chair. Première question, réponse. Deuxième question, réponse. Troisième question, réponse. J'ai dit non, 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 non. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. On sort, maman me dit, mais va voir Frère Léonard. Il dit, maman, je ne peux plus aller le voir. Il dit, pourquoi? Il dit, je n'ai pas t'expliquer, mais il dit, ce n'est plus nécessaire. Il dit, frère, je vais te dire une chose. Cela s'est passé non seulement une fois, mais chaque fois que j'avais des questions, ou j'avais des problèmes dans mon âme, quand je venais là, je m'asseyais, tu répondais à toutes les questions. Amen. Elle dit, je regardais, j'ai dit, mais ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas... Mon frère, lève-toi un peu, frère. Ce que j'ai dit est vrai ou faux? C'est vrai. Assieds-toi, assieds-toi. Il dit, c'est là que je réalisais une chose, que c'est Dieu qui parle. Amen. Parce que ce Dieu-là me parlait moi. Amen. Il dit, maintenant, écoutez, il dit, alors, je ne comprends pas, frère. Comment parfois je peux m'asseoir, j'écoute, alors qu'il y a d'autres frères et sœurs qui écoutent aussi, qui critiquent. Vraiment. Et ça, je ne peux pas. Il est jeune, vous savez, non? Il dit, parce que vous savez, frère, quand vous faites des choses, vous pensez que les gens qui sont autour de vous ne vous observent pas. Quand vous critiquez, vous vous détruisez vous-même. Amen. Parce qu'il dit, mais je suis là, il dit, mais je souffre parce qu'il y en a qui... Ils sont là, mais ils écoutent, mais ils critiquent.
Mais moi, quand j'écoute, mais Dieu me parle. Amen. Donc, il dit, depuis ce jour-là, je pouvais me lever le matin, prendre ma voiture. On me disait, mais viens, on va. Il dit, non, moi-même. Amen. Il dit, je sais ce que Dieu fait en cet endroit. Ça veut dire que quand Dieu te touche, Dieu te parle. Vous savez, il me dit, mais quand même les frères se sont levés, dit, on part, on va partir, parce qu'il a fait, mais... J'ai dit, mais je comprends pas. Je me suis assis, ils sont même venus, ils m'ont parlé. J'ai dit, mais moi je sais ce que Dieu est en train de... Parce que Dieu me parle. Amen. Non pas une fois, non pas deux fois, non pas trois fois, mais chaque fois que j'ai un problème. Amen. Alors, si, il dit, mais je suis seul dans ma chambre à coucher. Cet homme-là n'est pas là. Mais quand il se tient là, alors je sais. C'est pour simplement que nous comprenions que Dieu, lorsque... Il t'appelle et qu'il te parle, toi, en tant que fils, tu reconnais la voix. Amen. Ce n'est pas la voix d'un homme, mais tu reconnais cette voix. Amen. Alors, s'il a réellement, il t'a appelé, alors c'est Dieu maintenant, il veut te conduire. Tu lui appartiens, il a un projet. Donc ici, il appelle effectivement Abraham, dans sa famille où il était, c'est merveilleux cela, frère et soeur. J'aime beaucoup cela, j'ai dit, oh Dieu du ciel, si on pouvait vraiment avoir le temps, on s'asseyait tous. Rien que pour pouvoir entrer dans ces choses, parce qu'elles sont une grande bénédiction pour nous. Nous apprenons à connaître notre Dieu. Parfois, avec nos yeux naturels, quand on observe, on ne voit pas. Et si Dieu nous ouvrait simplement les yeux, afin que nous puissions réaliser, c'est vrai, frères et sœurs, il est toujours ici. Amen. Amen. Ça, c'est la vérité. Amen. Mais quel jour Dieu vous accordera la grâce de pouvoir réaliser cela, alors vous prendrez à cœur et au sérieux ce que Dieu fait et la parole de Dieu que Dieu nous donne pour notre bien. Vous remarquez très bien que ce qui est extraordinaire, c'est que quand Dieu appela cet homme Abraham, qui était bien avec son père et sa mère dans son foyer, effectivement. Et d'abord, il dit, quitte ton père et ta mère et ta patrie. Va-t'en dans le pays que moi, l'Éternel, ton Dieu, je te montrerai. Et cet homme, ce qui est extraordinaire, c'est que on n'a jamais entendu qu'Abraham, quand Dieu s'est adressé à lui, il a commencé à discuter, mais qu'est-ce que va dire mon père, qu'est-ce que va dire ma mère, qu'est-ce que diront mes voisins, qu'est-ce que diront ceci, ils vont me prendre pour un fou, ils vont dire que maintenant ceci et cela. Mon frère et ma soeur, quand vous vous asseyez dans une assemblée pour écouter la parole de Dieu, ce n'est pas l'affaire de votre voix. Amen. 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 Si la parole de Dieu vous touche et Dieu vous pousse, laissez-vous voir, vous levez et criez, dansez, dansez. Amen. Amen. Ah oui, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Ce n'est pas votre problème. Amen. Vous savez, il y a... Et vous savez, tant que Dieu pardonne, je ne vais pas arriver là-dessus. Parce que parfois, les gens blasphèment sans se rendre compte. Amen. Oui, frère et soeur. Mais la Bible nous dit une chose, c'est que là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Amen. Là où est l'ordre aussi. Ça ne veut pas dire que maintenant, on va commencer à jumper comme on veut. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'ordre. Mais lorsque on chante, lorsque Dieu travaille dans le cœur, vous sentez tout ça pour pouvoir vous lever, à crier, à chanter, à louer, peu importe. Si un frère dit, oh, mais les frères, ils crient trop fort, on les tenait, c'est pas vous mon problème. Vous criez au plus fort parce que vos cris, effectivement, peuvent sauver quelqu'un qui il est toujours conscient. Il me connaît. Quand ce frère la chante, quand cette soeur la chante, on voit son amour. Le Seigneur donne-moi aussi. Amen. 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 Parce que si vous êtes un gloire à Dieu, et gloire à Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. C'est sûr et certain. Alors vous dites, vous souhaitez gloire à qui? Gloire à Dieu. Amen. Et quand vous dites gloire à Dieu, vous devez savoir ce que ça veut dire. Amen. Donc vous rendez gloire au Dieu Dieu. Amen. Et Dieu qui a puissance et l'autorité. Même si là j'ai mal ici, tu sais qu'il m'a guéri. Il dit gloire à toi. Amen. Vous savez, j'aime beaucoup ce témoignage-là, frère, de cet homme-là, oh que Dieu nous aide. Nous n'avons pas beaucoup de temps, frère, de ça. Oh, cet homme-là, frère, qui a été, on a prié pour lui par le prophète. Et il a quitté les rangs, effectivement, étant en feu. Ce témoignage, j'aime beaucoup.
Alors, quand il a quitté les mains, il est avec les pâtés, effectivement, ensuite il mange toujours, mais il est très à plat. Le lendemain, il va dans les journaux, hein. Édition spéciale, je vois, mais il ne voyait pas. Il rendait gloire à ses dieux, effectivement, parce qu'il savait que ses dieux étaient capables de lui donner ce qui était nécessaire. Vous connaissez la suite? Donc, c'est ne pas ce que moi je peux voir ou penser. Non, c'est ce dont lui il est capable de faire. Amen. Alors là, je m'introduis dans cela. Il dit, je ne pense pas à mon voisin. Si vous pensez à votre voisin, il doute. Vous doutez aussi. Oui, mais comment est-ce qu'il va réagir le voisin? Ce n'est pas besoin du voisin. Ou la voisine, ou comment est-ce que la soeur va le prendre? Comment est-ce que le frère va le prendre? Non, comment Dieu va le prendre? Amen. Si toi tu t'étais. Alors le pied crie. Amen. Je ne vais pas chanter Dieu parce qu'on va entendre effectivement, ils vont peut-être penser non. Ce qu'on cherche ici, ce ne sont pas de belles voix. Amen. On cherche quoi? Le cœur qui chante. Amen. Quand le cœur chante, alors la voix suit. Parce que ce n'est pas. On peut avoir de belles voix, mais le cœur aussi, aussi mauvais, à savoir nous servir à quoi? Mais ce qui nous touche, nous, c'est le cœur. Quand il chante, vous savez, quand quelqu'un chante, ah, c'est pour ça que je voudrais bien que. Non, bon, ça va. C'est... Oh, là, j'aime beaucoup entendre le chant. Avec quand le cœur chante, il exprime d'amour. Ah, vous savez, vous avez des larmes. Parce que c'est... Dieu aime que le cœur l'aime. Alors, pas chercher les timbres qui ont une audition. Non, c'est pas les gibos, c'est le cœur qui même sur le roi. C'est le cœur qui exprime. Avant qu'on vende sur les marchés d'essayer de venir là, le poisson, là. Mais ça ne nous fait rien. Amen. Mais quand le cœur chante, oui. Même si les voix sont comme ça, mais le cœur est là, oh, gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il y a un cœur qui est pur, un cœur qui chante Dieu, ça touche les autres cœurs et ça vous amène à aimer Dieu. C'est ça, ce Dieu attend de nous. Amen. Parce que le voisin voudra, parce que le voisin là, il est le nôtre, il dit, quand j'ai entendu ton toi chanter, t'as pas chanté là avec Élie. Moi, je n'ai pas été à l'école, moi. Et le Saint-Esprit touche le cœur. Et il nous fait chanter avec son hymne. Oh, c'est un très frère, un frère, c'est pas moi qui dit, oh, mais la chorale aujourd'hui, vous n'avez pas bien chanté. Oh. Si tu étais dans l'esprit, tu dirais Seigneur, gloire à toi. Amen. Nous avons entendu les chants qui ont touché nos cœurs. Amen. Ah, vous savez, c'est sur laquelle n'a pas bien chanté. Oh. Et puis les dirigeants de la croix, je ne sais pas comment que Dieu te bénisse. Amen. On dit le chant. Ça, c'est si est absolument important. Amen. On ne marche pas avec les pensées des hommes, amen. On marche par la conduite du Saint-Esprit. C'est nécessaire. Il faut qu'il y ait une délivrance. Chaque frère et chaque soeur se sent dans la liberté de servir Dieu. Nous ne sommes pas dans une église catholique où je ne parle pas. Non, non, nous sommes dans la maison de Dieu. Où le Saint-Esprit est chef. Amen. Et on dit toutes choses et contrôle. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Amen. Quand Dieu appela cet homme, et au plus profond de son âme, Abraham n'a pas discuté. Parce qu'il y avait une profondeur. Quand il a entendu simplement la voix de son Dieu, ça a pénétré son âme. Et tout ce qu'il était au dedans a reconnu. Amen. Et c'est lui qui m'appelle. Il est mien. Il est si fort, abandonner mon père et ma mère et tout ce que je suis pour le suivre, je le ferai. Amen. Ça, c'est le caractère typique en fait des élus de Dieu. Ils sont prêts à tout abandonner. Donc celui qui les a appelés, celui qui les aime, celui qui les a aimés, parce qu'il y a une profondeur, au plus profond, effectivement, qui se détache. Et vous remarquerez très bien, frères et sœurs, et les élus ne murmurent jamais. Amen. Amen. Il n'y a pas de place pour murmurer. Oui. Amen. Si aujourd'hui, il fait sombre et qu'il pleut, gloire à Dieu. Amen. Demain, le soleil s'élèvera. Amen. Ah,
Pourquoi? Dieu, je ne comprends plus. C'est pas possible. Ça fait 200 ans que je... Non. Seigneur, j'ai toujours confiance. Amen. Je ne sais pas, mais j'ai confiance. Ah, oui. Parce que votre amour à l'endroit de Dieu ne se rétrécit ce point. Amen. Parce que la Bible dit que l'amour du plus grand nombre se refroidit. Mais que le vôtre puisse grandir davantage. Amen. On va dire, est-ce que c'est Dieu trouve aussi plaisir dans ceux-là qu'il a lui-même aimé et pour lesquels il est venu aussi, qu'il a donné sa propre vie. Vous savez, je crois que c'est dans les Saintes Écritures qui nous montre effectivement que l'amour que ce Dieu a eu à un autre endroit. Et regardez, je crois que je vais juste plus retourner vite dans Genèse. Je pense que c'est peut-être dans le livre de Colossiens ou quelque chose comme ça, ou dans le livre de Timothée. Nous parlons de ce Dieu merveilleux, de ce qu'il a fait pour nous. Et c'est cela, nous montrons réellement combien. Je suppose que dans le cela quelque part dans le livre de Philippiens, de Colossiens, de Timothée, mais on montre que nous estimons que si un seul est mort pour tous, et nous savons aussi une chose que nous tous aussi, nous devons vivre pour celui qui nous a aussi aimé. Je pense que c'est dans le livre de Colossiens, mais je crois que c'est quelque part. C'est quoi que tant de bien, je pense que nous avons. Vous connaissez peut-être que nous avons eu pour voir l'occasion de lire cette écriture ici. Probablement que nous l'avons lu il y a quand même un bon temps, mais peut-être que tout à l'heure je le trouverai dans l'écriture. Mais il nous fait savoir que nous estimons que si un seul est mort pour nous, c'est très bien. Je le trouverai peut-être tantôt pendant que notre frère, lira effectivement les Saintes Écritures, nous allons le trouver. Et cela nous montre effectivement que puisque Christ est mort pour nous, et lui, il nous a aimés, et qu'il a donné réellement sa vie, nous aussi, nous devons aussi en retour l'aimer aussi, et que nous devons aussi de tout notre cœur nous donner complètement et totalement aussi. Je ne sais plus très bien, mais bon, nous le lirons par le nom de carte, et Dieu nous accorde la grâce. Mais je mérite tant quand même de le trouver et lire. Merci bien. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5. Chapitre 5, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, en fait que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité aussi pour eux. Amen. Donc, en retour, vous avez cet amour à l'endroit du Seigneur, et nous voyons que Dieu a fait cela. Nous voulons aussi en retour vraiment de tout notre cœur l'aimer et lui donner toujours le meilleur. En fait. Alors le meilleur dans tout en fait dans notre vie. En tant que fils et fille. Vous savez, ô Dieu du ciel, vous savez, frères et sœurs, peut-être que je vais partir très vite, mais Dieu peut-être dans les jours à venir. Mais vous savez, frères et sœurs, pour que vous puissiez voir le caractère que vous manifestez dans les choses qui concernent Dieu, afin de pouvoir voir ce que vous êtes, comme nous l'avons toujours dit. Regardez, frère bien-aimé, quand vous aimez vraiment Dieu, et tout votre cœur et votre âme, ce que vous êtes, effectivement, il y a quelque chose qui doit se passer toujours pour Dieu. Amen. Dieu sera toujours le premier dans tout. Amen. Dans vos maisons, partout où vous allez, vous ne pensez que ce qui doit plaire à ces dieux. Amen. Lorsque Abraham était assis sur les chaînes de Mamré, vous vous souvenez? Et qu'il a vu effectivement ces personnes qui venaient, qui faisaient comme s'ils allaient passer. Oh Dieu du ciel. L'Éternel, son Dieu, qu'il a appelé, était là avec ses anges. Quelque chose a tressailli dans son âme. Il y a eu un empressement en lui.
Et Abraham crie en disant, mais ne passez pas, venez vous reposer chez moi. Vous lavez les pieds, ainsi de suite, il s'empressa de pouvoir le faire. Alors quand il est allé parmi son propos à lui, pour donner à Dieu quelque chose, effectivement, oui. Aller dans son troupeau, là, dans sa bergerie, vous voyez, il avait son troupeau qui était là, effectivement, qui pouvait prendre le vieux mouton qui était là pour une soie. Vous savez comment sont pour ceux qui ont fait l'élevage, ils savent, les vieux là, vous savez, leur chair devient tellement dure. Parce que quand quelqu'un vient pour acheter, s'il est un connaisseur, il va regarder, il dit, le vieux, il a un problème. Et ceci, même avec les dents, même si tu le brûles, il faut être frappé avec le marteau pour qu'il devienne tendre pour le manger. Alors, il n'achètera pas celui-là. Tu vas regarder longtemps, peut-être que bon, ben, tu vas te laisser, peut-être qu'à ma vie, il va mourir, je ne sais pas comment tu vas faire. Mais, Abraham connaissait effectivement cela. Il avait probablement, si on s'appelle Jésus, notre pro, effectivement, de bête comme cela. Hein. Parce que bon, il dit peut-être qu'il est gros, mais il est vieux, donc. Je peux l'offrir, mais quand il est allé regarder, pour le Seigneur son Dieu. Vous savez qu'il savait que c'était l'Éternel. Mm-hmm. Vous le saviez? Amen. Amen. Qui sont ceux qui ne le savaient pas? Comme ça, on peut le dire, pour que vous sachiez. Genèse 18, c'est écrit, sinon il lit, je vois à la maison. Il savait. Et quand il a regardé, il a été là-bas, il a vu ce vieux mouton mâle là-bas au fond, dit, oh. Peut-être que le cœur dit, Satan dit, mais prends, offre celui-là, parce que personne ne va le manger. Et puis, non, le cœur d'Abraham dit, c'est pas possible. Si je dois offrir quelque chose à l'Éternel, c'est le meilleur. Amen. Vous savez, personne n'était là pour pouvoir l'obliger. C'était lui-même. Amen. Hmm? Vous savez, quand votre cœur aime, quand vous aimez, effectivement, qu'est-ce que vous offrez à la personne que vous aimez? Si déjà dans le naturel, c'est vrai, non? Si déjà dans le naturel, vous offrez quelque chose de bien à celui que vous aimez, quand vous l'offrez, vous voulez qu'il prenne plaisir à cela. Oui. Que quand il voit qu'il le reçoit, il dit, ah, ça c'est vraiment... Vous savez, vrai, quand vous faites cadeau aux gens, votre attention, s'il vous plaît. Ne faites jamais des cadeaux à quelqu'un, parce que simplement tout le monde va le faire. Parce que si, je ne sais pas comment est la personne en question, mais si c'est un homme spirituel, il sentira. C'est vrai. Oui. Oui. Vous voyez, frère, il est absolument important que vous sachiez que quand on a un frère avec des choses spirituelles, il faut faire très attention. Oui. Vous dites, mes frères, maintenant tu nous amènes où? Jésus va vous donner l'exemple. Quand la parole de Dieu a touché le cœur des hommes et des femmes, quelque chose s'est passé. Amen. Ils sont partis dire, oh là 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 là, tu vois que c'est l'œuvre de Dieu, j'ai envie, Seigneur, je vends ce que j'ai, j'apporte dans ta maison. C'est vrai, non? Sans être obligé, c'était l'amour de Dieu. L'amour de la parole de Dieu, l'amour de l'œuvre de Dieu, des serviteurs de Dieu. C'est vrai, non? Ils sont rentrés, ils ont regardé, ils ont dit parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait des indigents. Ils avaient des propriétés, ils ont vendu et tout leur cœur avec beaucoup de joie parce que c'était l'amour. Et ils savaient où ils étaient, ce que Dieu a fait pour eux. Et ils venaient les apporter. Il y a eu Ananias, Saphira. Ils ont aussi leur propre propriété. J'aime Dieu et l'Esprit de Dieu quand il agit dans les âmes. Vous suivez? Amen. Pierre n'était pas là. Ananias et Saphira, ils étaient tous là. Les champs étaient à eux. Ils ont regardé, dit les autres font aussi, hein, les autres font aussi. Bon, si moi je ne fais pas, c'est comme ça. Hein? Frère, vous savez, quand vous allez vers un homme de Dieu, faites très attention.
très attention. Quand Ananias affirmant regarder Pierre, il dit, mais ce sont des hommes. Ben, on fait ça, ben, je vais aussi faire comme cela. Mais en fait, ils n'ont pas réalisé ce que Dieu était en train de pouvoir faire. Je crois que malgré qu'ils avaient les yeux ouverts, ils ne voyaient pas. Je ne sais pas. Ils sont allés. Pierre n'était pas là à côté. Il était lui et sa femme. Ils ont vu les chalets. Puisque celui-là a fait aussi, il a vendu son chalet à porter. Bon. Sinon, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ce sont des égoïstes, ils ne sont pas, il faut aussi qu'on fasse aussi. Hein? Bon, comment on a le champ? Bon, on va vendre le champ. On le vend vraiment avec regret quand même. Oui, parce que bon, oui, hein. On le vend quand même avec regret, parce que bon, faisons quand même, faisons comme tous les autres. Maintenant, comme on le vend, on va retenir un peu une partie du prix, parce que c'est quand même notre champ. Nous avons souffert pendant des années, puis on va quand même tout prendre, puis les démons, on va déposer à l'église, c'est pas possible. Il faut quand même que quelque chose nous revienne de ce que nous avons eu. Dieu ne vous avait jamais obligé. Amen. Alléluia. Amen. Quand ils sont venus devant, quand j'ai venu devant Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais pourquoi vous êtes mis dans votre cœur? Vous savez, j'aime bien dire cela, frère Gré. Dans Actes chapitre 5, regardez bien cela. Actes 5. Voilà, nous lisons peut-être à partir du chapitre 4, verset 36. Même je lis bien verset 32 aussi. Hein. Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ce bien lui appartenait à son propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce les posait sur eux tous. Quand il n'y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient les prix de ceux qu'ils avaient vendus et les posaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de consolation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait. Vous savez ça? Et puis apporta effectivement l'argent et déposa aux pieds des apôtres. Mais un homme nommé Ananias, et avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie des prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre n'était pas là, effectivement. Et ils sont venus avec le reste de l'argent, et puis d'un on dépose là. On dit, ben, comme ça, voilà ce que nous avons vendu, effectivement, hein, pour que vous puissiez aussi le recevoir. Et soudain, l'homme auquel il pensait qu'il était un homme comme lui, qui ne voyait pas tellement si loin, il entend simplement cet homme qui lui dit, écoutez bien, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit? Et j'aime cette manière dont Dieu conduit vraiment les choses, frère, qui démontre toujours que Dieu ne vous a jamais obligé en quoi que ce soit. Amen. N'oubliez jamais ça. Ce que Dieu attend de vous, c'est l'expression volontaire de ce que vous voulez faire pour lui, d'une manière volontaire. Alors, ça ne sert à rien de pouvoir s'asseoir pour chercher les fautes de telle sœur, de tel frère, pour voir comment, si ça ne marche pas tellement très bien. Ça ne sert à rien, ça. Ce que Dieu attend de vous, ce que vous puissiez arriver à pouvoir, vous sentir, Seigneur, j'ai besoin de toi. Si je viens dans ta maison, c'est parce que j'ai besoin de toi. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas meilleur que l'autre, je ne suis pas bon. Je fais ce que je peux, aide-moi. Toi, tu agis comme ça, et ta sœur et ton frère agissent comme ça, le Saint-Esprit prend le contrôle. Alors, maintenant, regarde. Il dit, au point que tu montes au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Vous y voyez? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après même qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Donc, le champ est à toi. Il était même à toi. S'il a été vendu totalement, il est à toi.
L'argent, tu peux le garder. Ne donne jamais à Dieu quelque chose à contre-cœur. C'est comme un jour, un frère me posait la question, il dit, mon frère, tu vois, je veux quand même être sûr, mais bon, moi je pense que, tu penses quoi? Je pense que pour pouvoir payer la dîme, il faut quand je reçois l'argent, je paye toutes les factures. Je paye et les loyers, et tout. Et c'est comme ça que je fais. Et ce qui reste là, alors je prends les dixièmes pour donner au Seigneur. Alors il me pose la question, ben, c'est comme ça que moi je fais, et qu'est-ce que tu penses, mon frère? Qu'est-ce que vous pensez, frère et soeur? Le problème, c'est de pouvoir savoir ce que nous avons dans notre cœur. Vous voyez, quand vous payez toutes les factures, quand vous payez même votre loyer, c'est très bien. Vous honorez d'abord les distributeurs des gaz et d'électricité, c'est vrai. Vous honorez aussi celui que vous avez de location de votre appartement. Et Dieu vous le mettez aussi en dernière place. Donc vous devez d'abord honorer tous les autres. Vous payez, puis vous payez chez les marchands, et puis si vous avez acheté des légumes, vous avez acheté la nourriture, vous avez rempli les frigos à l'abattoir. Donc, après avoir payé les gaz, l'électricité, toutes les factures, etc., payer les loyers, aller aux abattoirs, acheter tout. Et puis maintenant tu dis, Seigneur, maintenant je vais maintenant voir comment donner la dîme du reste. Tu as honoré tout. Et maintenant, allez, prenez un exemple, si vous touchez, je te donne un exemple, je donne. J'ai dit ceci, c'est un exemple, je ne pensais pas parler des dîmes et offrandes ce matin. Pour ne pas qu'on dise qu'il a calculé. Non, non, non. C'est arrivé comme ça, je donne seulement un exemple. Si vous touchez 500 euros, vous avez un loyer de 250. Vous avez les factures qui arrivent à 100 euros. Il vous reste peut-être, vous avez 350, il reste encore 150. Hein. Bon, d'autres charges, effectivement, vous arrivez peut-être à 50. Puis vous avez les abattoirs, puisque vous avez peut-être 5-6 enfants. Quand on va aux abattoirs, il faut la chèvre, il faut la viande, il faut la nuit, il faut les patates, il faut les riz, il y a les sacs de riz, c'est dans les 50 ou 30, etc. Qu'est-ce qui va vous rester? 25 euros peut-être ou 35 euros? C'est sur ces 35 euros-là maintenant qu'il faudra penser maintenant payer les dixièmes. Ça serait combien? 3,50 euros. Oh, gloire à toi, j'ai payé toujours ma dîme. 3,50 euros. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu as des chaînes en fait de préférence dans ce que tu fais. Si Dieu était réellement le premier dans tout ce que tu considères, tu dirais que quand moi j'ai, voilà d'abord ce que Dieu a. Amen. Que je n'arrive pas à payer l'électricité, gars, je vais me débrouiller avec. Amen. Mais avec Dieu, je vais faire tout ce que je peux pour être en ordre avec lui. Pourquoi? Parce que quand j'aurai des problèmes avec le monsieur des gars, le propriétaire, il va me défendre. Amen. C'est vrai, non? Quand vous le mettez toujours comme ça, au jour de la détresse, il ne manquera jamais. Et il dit, mais cela était à toi. Les prix aussi, le chant aussi était à toi. Et alors, écoutez bien, il dit, mais comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. À Dieu. Pierre n'était pas là. Hein. Et lui venait juste avec son cadeau pour le déposer. Prêtez attention, frères et sœurs. Quand
quand vous faites un cadeau à quelqu'un, vous voulez faire quelque chose pour quelqu'un, ne vous sentez jamais obligé de le faire. Vraiment. Quand vous le faites en vous sentant obligé, même si par exemple aujourd'hui vous donnez une tâche ici à rassembler, quand vous sentez, par exemple vous avez la tâche de nettoyer, ou bien de donner la nourriture aux fraisiers, quand vous sentez que ça devient comme une chose de Dieu, une position pour vous, mon frère, ma soeur, je vous invite à dire, frère Léonard, je voudrais que vous trouviez quelqu'un d'autre. Amen. Parce que si je vous ai donné une tâche de tout cœur, en disant, mais telle sœur s'occupera de cela, de toute son âme, tel frère va le faire, parce que j'ai besoin de frères et sœurs pour travailler dans la maison d'Israël. Mais que ça devienne pour toi, que tu le fasses, bon, il m'a donné, il m'a dit, et puis non, je ne sais rien faire maintenant, puis tu vas voir un frère, une sœur. Oui, mais frère, je ne sais plus très bien, mais le frère m'a donné, mais maintenant je n'ai pas ça, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ça. Vraiment. Donc je vais donner un exemple. Oh, que Dieu ait pitié de moi, mais j'ai quand même donné. Dieu ait pitié parce qu'on va, je ne sais plus, mais c'est vrai, frères et sœurs, chacun de vous en tant que frère et sœur, en rapport avec votre assemblée, vous devez prendre part à ce que Dieu fait. Amen. Vous allez dans la toilette. Oh, pardonne-moi, Seigneur, je ne vais pas aller là-bas dedans. C'est pas bon. Non, frère, chacun de vous doit être conscient. Tout ce qui est ici vous appartient. Et chacun doit être conscient que quand on a une responsabilité, une tâche ou quoi que ce soit, c'est à moi de pouvoir le faire. Je suis là, je suis censé pouvoir faire tout ce que je peux. C'est vrai cela. Je ne sais pas que Dieu m'accorde la grâce de pouvoir, peut-être, je ne sais pas pourquoi nous y sommes là, mais qu'il nous donne la grâce de pouvoir avoir au moins une compréhension de choses. Mm-hmm. Quand on a une tâche, une responsabilité dans les choses de Dieu, on nous a confié une tâche. Quand nous aimons le Seigneur, c'est la première des choses qui nous vient à l'esprit. Je peux tout faire. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, je ne peux pas faire autrement. Je ne vis que pour ce Dieu. Je ne marche que pour lui. Donc la première des choses, c'est lui en fait que je veux honorer en toutes choses. Quand j'ai une responsabilité, j'ai une tâche, je ne regarde pas à l'autre personne. Je dis, mais on m'a confié une tâche, il est là. Mais ce n'est pas pour un homme que je le fais, c'est pour Dieu. Amen. Donc je dois être conscient de ça, c'est de Dieu, je dois le faire. Et quand je le fais, je sais que Dieu, notre Seigneur, m'accordera et moi la grâce de pouvoir avoir aussi une récompense. Et de tout mon cœur, je m'y lance et je m'étonne. Abraham, quand il est dans cet endroit, effectivement, pour regarder ce qu'il pouvait offrir au Seigneur, il a pris le meilleur, le veau tendre, là, le bon, là, le tendre, et il a prêté cela et de tout son cœur. Il est venu avec vers le Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, quand le Seigneur a vu l'empressement d'Abraham, le cœur d'Abraham, et ce que Abraham a fait, a pris le meilleur de ce qu'il avait, qu'il pouvait être en vendant, tirer beaucoup d'argent. C'est à ce moment-là qu'il donna la promesse à Abraham. Il dit, je reviendrai à cette même époque. Sarah, ta femme, là, t'enfantera un fils. Qu'Ismaël vive, non, 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 non. Sarah la stérile. Il dit, Abraham, tu as tellement donné le tout ton cœur, tu as montré effectivement ce que tu avais dans toi pour moi. Tu as aimé ça. C'est vrai. Il n'a pas eu à faire d'un enfant, effectivement, il est d'elle. Tu auras des enfants. C'est vrai, non? Et puis il dit, et Isaac sera nommé pour toi une postérité. À cause de cette expression d'amour à l'endroit de Dieu. C'est pourquoi même Dieu pouvait dire à Abraham, dit, mais
cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Vraiment. Quand Dieu est vraiment le premier dans toute chose, dans notre vie, dans notre façon de pouvoir faire, Dieu prend soin de nous aussi. Amen. Oui, frères et sœurs, regardez comment les choses se sont passées avec. Dieu parle ici à Abraham et lui dit, oui, sache que tes descendants seront donc étrangers dans un pays, ils seront asservis. Pendant des périodes, ils seront asservis, mais en quatrième génération, jusqu'à ce qu'ils aient la rébellion. Oui, il dit, mais je vais faire ressortir, je ferai ceci, Dieu a fait la promesse. Et puis, après avoir parlé à Abraham, Abraham écoutez, Dieu dit une chose, je vais lire cela parce que nous n'aurons pas beaucoup de temps. Regardez très bien, frères et sœurs, et surtout, comme nous l'entendons si souvent, quand Dieu nous parle, un élu de Dieu, il n'est jamais distrait. Hein? Amen. Prêtez attention, frère et sœur. Le monde et les systèmes du monde tuent à sa fin. Dieu est censé pouvoir manifester ses propres fils, leur nature et leur caractère. Mon frère et ma sœur, il y a un temps où on pouvait être confondu avec toute autre chose. Comme la semence commence à pouvoir pousser, on ne voit pas tellement très bien qu'est-ce que c'est que l'ivraie et le blé. Parce que, vous savez, cette semence, ces deux semences, quand ils poussent, ça ressemble un tout petit peu. L'ivraie et le blé, ça ressemble un peu. Mais maintenant, c'est quand maintenant la maturité commence à avoir lieu, on doit voir maintenant le fruit. C'est à ce moment-là que la différence se manifeste. Absolument nécessaire. Et c'est comme cela que dans le sein des Écritures, nous pouvons réaliser, lorsque Dieu manifeste le caractère et nous montre effectivement ce qu'il a mis par rapport à nous, en fait, enfants, en tant qu'enfants de Dieu. Donc, cette nature, ce caractère, effectivement, doit arriver à pouvoir se manifester dans chacun et qu'il puisse voir qui il est, ce qu'il est et qu'est-ce que sa nature à lui donne, effectivement, en rapport avec cela. Et comme le sein des Écritures le démontre, il a dit à Abraham, cacherai-je Abraham ce que je vais faire? Parce qu'Abraham, lui, sa nature, effectivement, il allait enseigner aussi à sa postérité, ce qui allait aussi prendre part, effectivement, à surtout avoir la crainte, le respect et l'amour de ces deux. Il dit, je donne. Genèse au chapitre que nous avons lu, effectivement, pour avoir parlé, il dit à Abraham une chose, il dit, toi, tu iras en paix après une heureuse vieillesse, ainsi de suite. Je vais dire cela, peut-être qu'on va s'arrêter, peut-être que Dieu voudra la semaine prochaine, ou bien on verra comment Dieu nous conviendra. Il dit, allez très bien. Il dit, verset 18, 15, 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Canoniens, des Éthiens, des Phérésiens, des Raphaïm, des Amoriens, des Cananéens, des Guilasiens, des Jébusiens. Il dit, je donne ce pays à ta postérité. Abraham a aimé Dieu, Abraham s'est confié en Dieu de tout son cœur avec foi, et puis Dieu fait la promesse, il dit, je donne ce pays à ta postérité. Alors, prêtez bien attention à ceci, frères. Dieu n'avait pas dit à Abraham, je donnerai. Il a certainement dit à Abraham, il dit, je donne. Vous vous souvenez? Il dit, je donne ce pays. Donc, pour Dieu, effectivement, c'est pour qu'Abraham ait l'assurance que réellement que Dieu a déjà accompli la chose. Et quand bien même je fais la même mes yeux, ma descendance à moi. Sur la terre des hommes, Dieu en prendra toujours soin. Amen. Vous savez pour quelle raison? Vous savez pour quelle raison? La raison est celle-ci, hein, regardez bien. Dans le livre de Romains, je crois que c'est cela, Romains. Au
au chapitre 11. Verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, en fait, que vous ne regardez point comme sage, c'est qu'une partie d'Israël est tombée en déchussement jusqu'à ce que la totalité des païens soit tentée. Ainsi, tout Israël sera sauvé, celui qui ne s'écrit plus, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, j'aime beaucoup ça. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Donc Abraham a tellement aimé Dieu et Dieu a aimé Abraham. Abraham a toujours donné le meilleur à ses dieux. Même dans les moments les plus difficiles où le doute pouvait arriver à pouvoir envahir Abraham, la place qu'Abraham avait placée Dieu était au-dessus de tout doute. La Bible dit ceci dans le livre, je pense ici, probablement dans Romains ou quelque part comme cela, je crois que cela, vous êtes le trouver avec vous, oui, en parlant d'Abraham, oui, je crois que cela, si c'était Romains, chapitre 4, c'est cela, oui. Romains au chapitre 4. Romains au chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 18. D'abord, il parle d'Abraham, qu'on puisse bien comprendre cela. Il dit, nous lisons à partir du verset 16. Romains 4, verset 16 dit, c'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Notre Père à tous, selon qu'il était qui, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Verset 18. Espérant contre toute espérance. Amen. Donc il fallait aimer ce Dieu. Amen. Il fallait le placer à sa place. Le grand Dieu, le grand je suis, l'autorité suprême, peu importe effectivement l'état dans lequel je peux me trouver. Mon frère et ma soeur, peu importe la situation dans laquelle tu peux te trouver, difficile soit-elle ou même problématique, tu ne peux pas être dans le désespoir. Amen. Amen. Non. Un fils de Dieu, une fille de Dieu ne peut pas être dans le désespoir. Amen. Vous savez, je vous ai rendu mon témoignage une fois, mais il y a longtemps de cela, je pense. Je lisais la même Bible ici, avec, comme vous l'avez aussi la mienne. J'ai lu l'Écriture, effectivement, pendant que je méditais, je lisais. La présence du Seigneur vient et la voix me dit ceci. Ce que tu viens de lire là est vraiment scripturaire. Je vais vous le dire, hein, dans Job, vous connaissez cela, je suis dans mon témoignage, je l'ai rendu cela aussi. Job, chapitre 13. Job, chapitre 13. De la page 90-71, verset 13. Il dit, donc Job, chapitre 13, verset 13. Page 390. Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler, il m'en arrivera ce qu'il pourra. C'est Job qui parle. Pourquoi se dirais-je ma chair entre les dents? J'exposerai plutôt ma vie. Voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. Cela même peut me servir à mon salut, car un impie n'ose paraître en sa présence. Quand j'ai lu cette écriture-là, le Dieu du ciel que je mets, c'est mettez-moi présent. Alors la présence, c'est la voix me dit ceci, est-ce que ce que tu viens de lire, le verset 15 qui dit, voici, mais tu n'as rien espéré, est-ce que c'est vraiment scripturaire? Mettez-vous à la place de moi. C'est écrit comme ça, comme je vais lire, et puis là, le Seigneur vous pose cette question. Dieu que je sers, mettez-moi la Bible en main, je me tiens et il sait. La Bible est ouverte. La question m'a été posée. Est-ce que ce que tu viens de lire est scripturaire? Puis je l'ai dit. C'est là que l'étincelle vient. J'ai dit non, mon Seigneur. Un fils de Dieu ne peut pas prononcer telle parole que voici, me tueras, tu n'as rien espéré. Non. Même dans les moments difficiles,
Il espérera toujours. Amen. Et ça s'est arrêté. Amen. Et un jour, je crois que c'était peut-être le même jour, je ne sais pas, quelques jours, ça me travaille dans mon âme. J'ai cherché notre Bible, effectivement, et j'ai ouvert de ma Bible Darby. Pour lire, parce que Dieu confirme toujours. Amen. J'ouvre Darby, j'ai lu le verset, c'était le jour et la nuit. Dans Darby, il dit, voici, même s'il me tue, j'espérerai toujours en lui. Amen. La Bible est écrite en nous, frère. Amen. Oui, c'est la vérité. Oui. Donc, un fils de Dieu, ou une fille de Dieu, ne peut pas tomber dans le désespoir. C'est pas possible. Vraiment. C'est pas possible. Il espéra toujours, il a toujours confiance dans le Seigneur, le Dieu qu'il a appelé, qu'il a placé effectivement, et qui le conduit effectivement au jour le jour, et enfin qu'il puisse arriver à pouvoir atteindre effectivement le confort, la confiance et la foi, la certitude effectivement en ces dieux qui nous a réellement appelés pour que nous puissions marcher avec lui. Romain, nous continuons effectivement avec Romain. Peut-être que, je ne sais pas, mon Dieu d'amour s'arrêter. Je vais peut-être m'arrêter pour rentrer à la maison, parce que nous avons servi des baptêmes aussi. Je voudrais quand même que nous lisions un peu plus loin, si le Seigneur le permet. S'il ne le permet pas aujourd'hui, eh bien, il conduira pour que nous puissions peut-être le lire encore dans notre jour à venir. Romain, chapitre 4, il dit donc, espérons contre toute espérance. Vous suivez ? Il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et j'aime beaucoup cela, dit, mais, et sans faiblir dans la foi. Amen. Vous voyez, frère ? Amen. C'est la confiance que vous placez en ces dieux. Sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Peu importe ce que le voisin, la voisine, la cousine, le frère ou la soeur pouvaient lui dire. Amen. Regardez-toi, depuis que tu crois à ces paroles, quand on parle effectivement, les jupes sont longues. Alors que tu es une belle fille, montre tes jambes. Oui. C'est vrai, non? Vraiment. Oui. Toi, tu sais quand nous étions, toi la belle, effectivement, quand tu mettais un peu des. Un peu là. Aujourd'hui, même, regardez comment tu es devenu. Toujours, oh, je crois en ces dieux. Les autres, quand même, ils croient aussi. Ils mettent les jupes jusqu'ici. Et quand on parle de Jésus en question, il faut voir comment ils sont collés. C'est vrai, non? Et puis, Dieu, ils sont bien là-dedans, ils sont dichants. Mais toi, cet été. Amen, amen, amen. Oui, mon frère et ma soeur. Amen. Abraham, son corps, il disait, mais les gars, tu es vieux. Il dit, non. Sans faiblir dans la foi. Amen. Il avait placé son Dieu à un niveau tel que. Amen. Il n'avait plus confiance en lui-même. Amen. Sa confiance était en ses dieux. Voilà le caractère d'un élu, frère. Et je vois que mon corps est comme ça, je commence à fondre, et comme les, j'étais, vous savez, toi la plus belle, maintenant, puis ça rentre là-dedans. Ah, voyez-vous, je suis encore une fleur. Et puis maintenant, je commence à faner, les cœurs, boum. Mais frère, c'est lui qui a fait de toi la fleur. Amen. Vous savez que Sarah était une belle femme. Dans sa vieillesse, effectivement, elle est venue comme ça. C'est lui qui a fait d'elle une fleur. L'a fait encore fleurir. Abimelech tremblait comme ça. C'est la vérité, frère. Il ne faut pas écouter l'extérieur. Oh, ceci et cela. Accrochez-vous. Amen. Vous savez, ce que le psaume chapitre 1 dit? Amen. Et l'homme. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Et nous pouvons les lire rapidement, puis nous revenons ici. Puis on va terminer. Psaume chapitre 1, regarde. Psaume chapitre 1, je pense que c'est cela. Hein? Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1, verset 8. Heureux donc l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. Vous suivez?
Amen. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Amen. Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Amen. Non, non, non. Il s'éloigne, il se part. Alléluia. Amen. La Bible dit, Amen. Et qu'il trouve son plaisir. Amen. Et qu'il trouve son plaisir. Amen. Dans la loi de l'Éternel. Amen. Bon, il dit, il dit, il dit qu'il avait dit sur une nuit. Il est comme un arbre planté par le courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Oh oui, soyez des élus de Dieu. Amen. Comme des élus de Dieu. Tenant ferme, mon frère. Satan viendra pour vous décourager, et voici ceci, voici cela. Mais lève simplement les yeux. Amen. Regarde en Golgotha. Il a accompli pour toi. Amen. Il a mis tout à ta conflit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Mon frère et ma chère, vous avez un cantique qui dit, mais d'où qu'on compte pour mon bien. Amen. Puisque j'aime Jésus. Amen. Alors la vie vient et travaille pour mon bien. Yeah.